Et bonjour. On se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Shadow of the Tomb Raider. J'espère que vous allez bien. Épisode 4. Je vais dire 5, mais c'est 4. On était sur les traces de Miguel. Donc on va essayer de retrouver Miguel. En espérant que la chaussure qui est là et la chaussure qui est là. Et le sac à dos qui est là. Ça lui appartienne pas. Je pense qu'il est pas par là, hein, mais. Alors que le cochon, qui n'est pas un cochon, mais peu importe. Une représentation d'un monstre. On dirait que chaque recoin du monde possède sa propre créature mythologique sylvestre et bipède. Par ici, on l'appelle le Sissimite, le gardien de la forêt. Décrit comme un grand singe, on dit qu'il tue les hommes, mais qu'il enlève les femmes et les emmène dans sa grotte pour se reproduire avec elles. D'accord. Bah sympa, en tout cas, dommage qu'on ait pas de dessin, mais sympa. J'aurais bien aimé voir le dessin, la représentation du Sissimite. Ok. Alors. Sur les traces de la bait. Bon, qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Miguel? En vrai, j'ai mon idée, mais... On verra. Oh. Ouais, c'est un gros chat. Ouais. Non mais c'est bon, du coup, il a mangé là. Il a plus faim. Ah. Ok. Merde. Les jaguars. Ouais, c'est des gros chats. Non, mais ça va, moi. En vrai, bon, oui, d'accord. Visiblement, ils avaient très faim. Et. Ils ont pas laissé grand chose. Mais. Non, mais ouais, d'accord. D'accord, ok, on est menacé. Ça me fait pas peur. En vrai. Ouais, ça va, c'est des gros chats. Alors, par contre, c'est des gros chats qui se déplacent vite, j'ai l'impression. Ah, les jaguars, ça va vite, hein. C'est pas possible. Ouais. De toute façon, c'est scénarisé. Je sois très prudente. Je le sens. Comment? Hein? Secours? C'est quoi cette ombre? Je peux pas faire de roulade, donc pour moi, c'est scénarisé. C'est scripté. Ouais, bon bah ouais. Il est là. Non mais tant qu'il m'attaque pas, moi je vais pas l'attaquer, hein. Sachez-le, hein. Ah ça y est. Ah ça y est. La chasse est ouverte. Ok. Non mais... m'attaque pas le chat. Ça me rassurerait. Je serais pas obligé de te faire du mal. Vainquer les jaguars. Ouais, bah ouais. Ouais. Non, mais il faut tirer aussi au bout d'un moment. Par contre, il y en avait deux. Il est où le deuxième? Calme-toi. Il y avait un truc à ramasser là. Je suis plus focalisé sur le fait de ramasser les trucs que... Bah oui, mais non. Mais tire au bout d'un... Ça fonctionne.
Ouais, ok. Si tu veux. Il est où? Il est parti où? Sale bête. Non, gentil bête. Oh oui. C'est un gros chat, ça. Ah, par contre, au bout d'un moment, faudrait penser à mourir. Mais combien? Au secours. Combien de flèches? Et qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Couché. Couché. Ah ouais, bah ouais. Couché, j'ai dit. Non mais, j'ai dit couché. Pas possible, ça. Oh non. Oh mais non. Pauvre bête. Ça parce que c'est des chats, hein. Je manque d'objectivité, je crois. Là, par contre, ils étaient deux. Pas enfin, ou voire plus, c'est affinité. Je manque complètement d'objectivité. Mais bon. Comment appuyer sur F1 pour vous soigner? D'accord. Très bien. Alors ça va être un réflexe que je vais avoir du mal à avoir, mais... Mais très bien. J'ai plus de flèches. Donnez-moi des flèches. Bon bah ça va. C'était un peu moins compliqué que l'ours. L'ours m'avait plus marqué pour le coup, en termes de difficulté, entre guillemets, de tension dans le combat. Mais là, il n'y en avait qu'un. Là, il n'y avait qu'un seul de ces gros chats. Bon, par contre, du coup, Miguel. Hein. Miguel, c'était prévu. Hein. Je doutais qu'il aurait du mal à s'en sortir. Par contre, c'est par où? Hein? Attendez, mais il y a tout ça à looter encore? Au secours! Moi, je vais tout looter, hein. Tout looter. On va refaire des flèches. Par contre, c'était bien résistant. On notera que... J'aurais consommé quand même pas mal de flèches pour la battre. Ok. En fait, le truc, c'est quoi? Il y a tellement de végétation. C'est pas forcément facile pour l'instant de repérer ce que je peux récupérer, ce que je peux pas récupérer. Ah bah. Jonah, le reste de mon équipement. Oui, et Jonah aussi, et accessoirement. Accessoirement, oui, peut-être Jonah, ouais, c'est peut-être plus important. Voilà. Je voulais essayer. Grimper aux arbres, oui. Oui, bah j'imagine que j'ai que ça à faire ici de toute façon. Donc, ok. Ça, c'est sympa, l'aspect monter aux arbres et tout. Je sens qu'il va y avoir pas mal de verticalité dans le jeu. On verra bien, mais... Là, j'ai l'expédition. Ah bah, décidément, on en a vraiment raté une. De page. L'enthousiasme communicatif de père est au plus haut, mais je suis assailli de doutes. Au milieu de la nuit, je l'ai surpris à fixer les étoiles, le regard d'un blanc lunaire. S'il ne m'avait pas si souvent raconté toutes ces histoires sur l'Amazonie,
je pourrais croire qu'il y avait de la tristesse dans ses yeux, peut-être même du regret. Ce doit être ces insectes qui nous montent à la tête qui le mettent dans cet état. On n'a toujours pas le journal de Jack 1, mais... Après, comme je l'ai dit, pire, c'est pas grave. Ah mais attendez, au secours, c'est par où? Descendre là. Descendre là, c'est par là. Du tissu. Pour fabriquer des flèches spéciales, des cocktails molotov, des armes améliorées, restaurer des tenues. Toujours plus. Mais attendez là. Nien. Non, c'est un crapaud. C'est normal les crapauds bleus comme ça là? Je connais pas cette espèce. Comme je l'ai dit, hein, je suis pas très spécialiste en niveau animal, donc... Premier août. Ce soir, nous ne trouvons pas le sommeil. La jungle gronde et la lune ne nous aide pas. J'entends la forêt respirer dans mon cou. Son grognement qui fait vibrer la terre. Son énergie indomptable circuler dans les arbres au-dessus de nous. L'imagination est fertile dans une obscurité si épaisse. La fatigue guide nos recherches, s'abattant toujours sur nous au moment le moins opportun. J'ai surpris Père à s'assoupir en marchant, sa main lâchant son bâton. Nous n'avons plus de vivres, nous ne nous nourrissons presque plus que de baies et d'eau de pluie. Mais pour l'instant, aucun de nous deux n'abandonne. Je crains que l'obstination qui nous a menés jusqu'ici ne nous conduise droit à notre perte. Bon, je vais peut-être pas rater du coup le 1, parce que peut-être qu'on l'aura plus tard. Mais j'ai du mal à voir où ça en veut en venir pour l'instant, ces trucs-là. Ok. Du loot. Le loot. Non mais loot la saloperie là. Ok. Donc là je peux sauter là. Ouais. Non, d'accord. C'est raté. Alors qu'on récupère du venin. Ouais. Là, je peux pas y aller. Ok. Attendez, mais... Oui, je suis déjà perdu, hein, mais je viens de là. Ok, donc là, j'ai toute la rivière aussi. Sachant qu'on peut nager dans le jeu. Donc, j'imagine qu'en dessous, il y a des trucs. Ah bah, il y a l'avion. C'est un morceau de l'avion, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, c'est quoi cette bête? Je n'identifie pas la bête là, mais... Bon. Sac à dos d'explorateur indique... Ah oui, bah oui, ouais. Très bien. Secret révélé. Cage de survie. Ah oui, non, mais attendez, au secours. Ah oui, ça va m'indiquer toute la... Oh là là, au secours. Relique, tombeau. Ouais, bon, de toute façon, on verra ça plus tard, hein, pour le coup. Non, j'ai dit on verra ça plus tard. Please. Je suis sûr qu'il doit y avoir des trucs dans les fonds marins. Déjà, il y a des algues. Je peux utiliser mon instinct. Oui. Ok. Donc on remonte à cet arbre. On retente. Ah oui, non, mais non. Non, ça ne sert à rien. C'était là. C'est là qu'il fallait monter. Tac. Là, on saute correctement. Voilà. On arrive là. Ah. Crypte découverte. Explorer les cryptes pour découvrir leurs secrets. Ah, j'ai besoin du piolet. Ouais, bon, d'accord. Donc, il faut... définitivement, il faut que j'aille à l'avion.
Et ensuite, on pourra faire un backtrack de l'infini. Mais ce sera pour plus tard. On va passer par là. Parce que j'ai envie. Non, c'est pas là. C'était là. Non mais... Je cherche. Je sais que je cherche. Faire mes sauts comme ça, là. Mais... Secours. Non mais... Merci, Lara. Voilà. Ok. Bon, est-ce qu'on va trouver Jonah? L'avion. Jonah, t'es là, Jonah? Visiblement non. Ou alors il est inconscient. Mon piolet. Comment dire? Quelle partie de Miguel? Qu'est-ce qu'il a, ton bras? Ah, je crois que c'est un parasite. J'ai bien cherché de l'armoise, mais ça pousse pas dans le coin. Je vais regarder. Oh ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Si on le laisse comme ça, ça va empirer. Et c'est toi. T'es sûr de savoir ce que tu fais, là? En fait, j'ai eu un peu la même chose il y a longtemps, quand j'étais gamine en Égypte. Hein. Je vais pas te mentir, ça va faire mal. Tu crois que cette tempête, c'était la tempête? Celle de la fresque? Je sais pas. Je crois qu'on devrait s'arrêter, faire le point. On a foncé tête baissée. Et puis, avec la tempête... J'aurais jamais cru que ça empirerait autant, je... Ouais, j'aurais dû insister pour qu'on cule. Mais je comprends. Tu bloques sur un problème et tout le reste disparaît. Jonah. Hé. Je suis là. Et c'est mon choix. Le plus souvent. Mais si on meurt, qui arrêtera les cataclysmes? Qui empêchera les trinitaires d'agir? Parfois, je sens que je suis obligée de continuer parce que sinon les gens croiront que je les abandonne. Mais peut-être que pour quelques heures, on aurait pu attendre. On devrait lui donner un nom. Ok. Ellie ? Ah, c'est mon cousin. Il avait une sale tête d'asticot. Adieu, Ellie. Merci. On devrait y aller. Si on arrive à trouver Kuwakiaku, on pourra se reposer cette nuit. Bonne idée. Ouais, bon, on devrait y aller, ouais. Dans toutes les cryptes et les tombeaux qu'on a ratés. Bah, hein? Hein, quoi? Je crois qu'on peut voir le village à travers les lianes par là. Ok. Je suis contente que tu sois resté près de l'épave. Si t'étais là, je voulais que tu puisses me trouver. J'avais le pistolet de détresse, alors... Oui, je crois que Miguel se dirigeait par là quand... Le pauvre. Quand des jaguars lui sont tombés dessus. Tu t'es débrouillé pour avoir Ellie sous la peau? Ah, j'essayais de savoir si l'eau était propre. Maintenant, je sais. Tu crois vraiment à ces trucs? Ce que t'as raconté sur les cataclysmes, l'apocalypse? Je crois que si c'est vrai, c'est assez important pour se sacrifier ou pousser les trinitaires au meurtre. Donc c'est une question de vengeance? Non. Non. Quand j'ai pris la clé,
J'ai aussi senti une force qui m'attirait vers quelque chose. C'est bien réel. Ok. Si t'as senti une force qui t'attirait quand t'as pris la clé, elle est dans ta tête maintenant ? Non. Elle est partie quand Dominguez a pris la clé. Si c'est aussi fort que ça, comment tu peux être sûr ? Écoute, essayons de trouver Kuwakiaku, ok ? Ouais. Tu sais, si c'était une question de vengeance, je comprendrais. Tu crois vraiment ? Tu préférais pas être dans un endroit chaud et sec avec une bière et peut-être une jolie demoiselle à courtiser ? Ouais, c'est pas faux. C'est même carrément vrai. Mais je comprendrai, je t'assure. C'est pas une vengeance. Ah, du coup, je sais pas s'il comprend. Ok, mais ouais, j'imagine que quand elle parlait de l'Égypte, c'est une petite ref à Tomb Raider 4. Peut-être. J'imagine. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que je voulais dire, mais... Alors... Alors là, on a un feu de camp. Ouais, bah le feu de camp. Je m'imagine que Lara va nous raconter sa life. Je suis soulagée d'avoir retrouvé Jonah. Exactement. Surtout après ce que Miguel... Alors, pendant ce temps... Au moins, Jonah m'a pas demandé ce qui s'était passé. Secours. Les devoirs. Je veux pas qu'il s'inquiète. On doit rester concentré si on veut garder notre avance sur les Trinitaires. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Mais, hein, c'est quoi le... Ah oui, je peux améliorer l'arc, ou je peux le valider à qui ? 4 améliorations ? Hein ? Je comprends pas. Ou c'est juste que là, je peux pas l'améliorer, celui-là ? J'imagine. On va dire que j'imagine. Arc de l'herboriste... Non mais... au secours. Ouais, mais ça, c'est des DLC encore. Non, voilà. Hein, tu vas rester sur ton arc de base pour l'instant. Améliorer des armes. Les améliorations augmentent les caractéristiques de l'arme comme la précision, la maniabilité, la capacité des munitions. Une caractéristique peut être améliorée plusieurs fois. Certaines compétences permettront à Lara de fabriquer des améliorations plus puissantes. Oui, en gros, c'est les améliorations qu'on avait avant, quoi. C'est juste que ça fait plus peur. c'est juste que voilà, maintenant ça fait peur, quoi. Mais durée maintien, poignée enveloppante, ouais, enfin vitesse de dégainage, dégâts. Ouais, mais les dégâts. Quoique, après, est-ce que... En fait, là, le truc, c'est autant les tenues, ça donne des bonus de ouf. Autant quand je vois ça, je me dis, bon, c'est pas non plus, voilà, je veux dire, à part celui-là qui a l'air quand même assez pété, ça reste quand même des trucs où t'as toujours des malus aussi. Poigne de la terreur, couteau. Et en fait, est-ce que je dois améliorer des trucs ? Est-ce que vraiment ? Arc du serment, attendez. Ah, je sais pas du coup. Et voilà, là c'est terrible parce que je ne sais pas. Non mais en vrai, celui-là il me donne envie. Genre celui-là il me donne envie. Mais je sais pas. Hein. Je sais pas si c'est une bonne idée. Par contre, je comprends pas. Pourquoi j'ai 3 légende des ressources. Non, c'est pas ça. Moi je veux savoir les clés à molette, à quoi ça correspond, mais... C'est pas grave, on va faire ça, hein, voilà. On va améliorer cet arc. Parce que j'ai envie. Toujours plus de dégâts. Oh, toujours plus de dégâts. Les dégâts, full dégâts. Et la corde. Ok, le piolet. Non, mais tu vas me garder le piolet de base. Ok, il y a un onglet tenue. Onglet équipement. Non, ça va, je peux pas améliorer ça. Ok. On pourrait changer de tenue, hein, ceci dit, mais... Mais, ouais, voilà. Tu es un deuxième ennemi. C'était quoi ? Il y avait un truc qui m'intéressait. Permet de charger l'arc plus rapidement. Bloque le prochain niveau d'amélioration d'armes. Ils ont de la chouette. Instinct de survie dure plus longtemps. Non, mais ça, on s'en fiche un peu. Fabriquer un piège avec APA sur le corps des ennemis. Oh, ça a l'air trop bien, ça. Ah ouais, non, mais je peux pas. Hop. Voilà, et moi, je veux ça. Prochain truc qu'on prend, c'est ça. Voilà. Écoutez, pour l'instant, je suis un peu au talent. On verra plus tard. De toute façon, au fur et à mesure, on pourra débloquer plein de trucs. Voilà. Alors, par contre, Jonah, tu m'excuses, mais...
Mais j'ai mon piolet. Donc on pourrait avancer vers l'histoire. J'avoue, l'histoire ça va sympa, mais... Mais comment dire? Comment expliquer? C'était par où? C'était là la crypte? Ouais, je crois qu'elle était là la crypte. On va aller faire la crypte. On va aller faire la crypte. Hein. Hop. En vrai, sachant qu'il y a le tombeau aussi que j'aimerais bien faire, mais... Il est peut-être un peu loin le tombeau. Quoique j'ai peut-être le voyage rapide, hein. Peut-être pas sûr ça. Mais... Si j'ai le voyage rapide, je pense qu'on va aller faire le tombeau aussi. Hein. On va en profiter. Hein. Bon, Jonah va nous attendre, mais... ça ira, je veux dire, c'est pas... Pas un problème. Une épitaphe sur une croix. C.J. Raleigh Rimmel, notre ami. Ah, examiner pour trouver d'informations cachées. Ça y est encore, ça. Autre chose. Ouais, bah oui. J'aimerais bien trouver ce qu'il y a. Ah oui, peut-être le zoom. Non. Oui. Secours. Attention, piège droit devant. C'était peut-être ça qu'il fallait que je sais pas. Là pour le coup, j'ai pas, je sais pas ce qui a trigger, mais bon, ça va, ils ont pas enlevé ça. Moi, j'avais peur qu'ils aient enlevé ce côté-là. T'es plus les objets à fouiller un petit peu. Personne n'est venu là depuis des années. Alors par contre, qui dit crypte dit piège. Je le sens bien. Ok. Ok, les bruits. Rimac, la conteuse. Puisse la voix de Rimac être la première à résonner à nos oreilles dans l'au-delà, pour que ces histoires nous apportent le réconfort. Évidemment, ils ont un petit rapport avec la mort. Hein. Petit rapport. Ah, oui, non, mais si. Non. Ah, je pourrais faire quelque chose. Ah oui, non, mais ça va être les flèches de... Les autres types de flèches, je pense, le clic molette. Je pense. D'accord, bon, on a vu le piège là-bas. Ouais. Ok. Ouais. Pour l'instant, les pièges restent relativement simples à éviter, à repérer. Mais est-ce que ce sera tout le temps le cas? 100%. Crâne humain déformé. Ce crâne a une forme inhabituellement plate et longue. Certains y voient la preuve que les Incas ont été contactés par des extraterrestres. C'est un alien. Mais c'est plus probablement le résultat d'une déformation volontaire. Une pratique plus ancienne encore que l'écriture. Déformation volontaire? Alors, je sais pas ce qu'il faisait. Hein? Un petit trou. Il présente également des marques de trépanation. Une procédure médicale qui consiste à pratiquer un orifice dans la boîte crânienne. Mm-hmm. Charmant. Sympa ça. Hein. On adore ici. Savoir antique amélioré pourrait désormais déchiffrer les monolithes quechua intermédiaires. C'est le même fonctionnement que les langues, j'imagine, dans Rise. Qui était un truc que j'aimais bien, pour le coup. Un système que j'aimais bien. Mais qui aurait pu être plus exploité que ça, justement, dans Rise. Oui, bah, c'est... Oui. Effectivement. Mais là, il y a un truc, là. Pas de piège? Pas de piège. Ok. Ça doit être l'entrée. Non, pas du tout. Non, mais reviens! Ok. Alors, j'imagine que je peux monter aussi sur la structure. Bah ouais, ouais. C'est le plan, visiblement. Mon intérêt révélé. Secours. Sarcophage, oui. On s'approche de l'objectif, quoi. Bon, ça va. Ouais, non, d'accord.
J'allais dire ça va, mais on a pas encore terminé. Ce n'est pas encore terminé. Et ça, c'est un piège. Ouais, ça a l'air mortel, hein. Ça a l'air létal, hein. Pour l'instant, pour l'instant, les pièges qu'on voit, ils ont pas l'air très sympas. Après, le truc, c'est que par exemple ça, si je l'actionne, mais que j'avance pas, ça devrait aller normalement. On va pas prendre de risques, mais je pense que ça devrait aller. Sale bait. Je devrais pouvoir atteindre le sarcophage maintenant. Oui, le bois dur. Ah mais oui, c'est vrai que du coup là j'ai accès à ça aussi. Oh là là, j'ai accès à tellement d'endroits. C'est terrible. Ça y est. Ok, par là? Non. Ok. Oui. Effectivement. Par là, ça a l'air d'être un peu plus évident. Non. Bah ouais, elle a voulu sauter sur le côté alors que je voulais qu'elle saute devant elle, mais... Hein? Tout va bien. Tout va bien, c'est pas grave, je t'en veux pas, Lara. Hein. T'inquiète. Ça va le faire. Ça va aller. Après, j'ai essayé d'amortir ma chute, mais je l'ai peut-être fait un peu trop tard. Ou alors, le jeu a considéré que la chute de 15 mètres... Ah, il y a un stade où ça passe pas, quoi. Hop là. Donc là, hop. Voilà, là je fais attention, je vais pas sur le côté. La sortie sera là. Et le sarcophage est ouvert. Cape d'Evening Star. La rumeur raconte que cette cape faite de plumes... J'ai pas eu le temps de dire la suite, mais c'est pas grave. Non mais... Non mais Lara, fais un effort aussi. Oh, c'est moi qui ai pas... Non! Eh ben on est reparti pour remonter. Ouais. En fait je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça fait ça? Sans me douter que en fait bah ça me mettrait en bas parce que effectivement elle avait dit ça doit être la sortie, donc oui j'aurais dû mettre la puce à l'oreille, hein. Hop, alors attention, on a un piège là aussi. Ne pas actionner piège, voilà. Allez, speedrun. Ok. Du coup ça mène où l'autre truc? Le truc à casser là. Mais... Au secours. D'accord. Elle n'avait pas voulu... Elle n'a pas voulu faire son double saut. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais pas vu ça. Ah, ça doit être le truc qui fait le poids pour le... La plateforme qui mène vers le bas. J'imagine. Tout cassé. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. C'est pas du tout la sortie, ouais. Détail, la rançon de l'empereur Atahualpa. L'empereur païen supplia qu'on lui laisse la vie sauve. Il offrit à la couronne d'Espagne une pièce de 3 varas sur 6 remplie une fois d'or et 2 fois d'argent. La couronne, dans sa grande mansuétude, accepta la proposition. En moins de 2 mois, la rançon avait été payée. L'idolâtre, cependant, n'était pas digne de confiance. Lorsque les plans machiavéliques de l'attaque surprise de son général furent mis à jour,
Atahualpa tomba à genoux et demanda grâce. Son sort serait décidé à l'issue d'un procès équitable, comme tout homme y avait droit dans l'Empire espagnol. Il fut déclaré coupable et condamné à mort, mais avant son exécution, il se convertit et put ainsi être accepté aux cieux. Extrait de chronique objective de la vie de Pizarro au Pérou, d'Ochoa à Cebes. D'accord. Eh ben, sympa. Ça a l'air sympa tout ça. Du lore. Trouver un feu de camp. Ah oui, il y a un point de compétence. Ah bah nice. Pouvoir faire mes pièges. Pouvoir mettre les pièges là sur les ennemis. Ça a l'air marrant ça. Alors j'imagine que dans l'épisode précédent, j'avais eu des compétences qui m'avaient fait de l'œil. Je me suis dit ah ouais, faudra que je prenne ça machin. Évidemment, je vais tout oublier, hein, donc voilà. Donc là, si on arrive à mettre le point de compétence avant le prochain épisode, il y a une chance que j'oublie pas tout. Donc on va essayer de faire ça. Là, j'y suis allé? Je crois pas, hein. Si. Si, c'est de là d'où je viens. C'est là où on a fait le tour, oui, en fait. En fait, ça me revient maintenant. Ou pas. Si. Hein? Oui. Bon. Bah on est bon. On peut s'en aller. On peut sortir d'ici. Sortir de la crypte. Sachant que là du coup il y avait un truc aussi je crois. Vers la droite là. Hein. Il me semble qu'il y avait un truc vers là-bas, là. Si je montais à l'arbre... Ouais, ouais, là, là. Ouais, ouais, ouais. Oh, le lapin. Et ouais. Non, on n'avait pas pu y aller. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici, du coup? Ah. De l'or. Vendez le minerai d'or aux marchands. D'accord. On va avoir des marchands. C'est nouveau ça. Ah. Non mais. Cage de survie. Il y avait une cage de survie. Attendez, c'est. Au secours. C'est là. D'accord, donc ça se voit pas à l'instant de survie, ces trucs-là. Ok. Là, d'après la map, on a à peu près tout vu. Il y a une cage de survie à côté du feu de camp. C'est quoi, ça? Ça, c'est juste des animaux? Ouais. Très bien. On a plein d'or aussi, on a plein de pièces d'or. Je sais pas encore à quoi ça sert, mais on en a plein. Alors la question que je me pose c'est, est-ce qu'on peut revenir tout en arrière? Est-ce qu'il vaut mieux pas que j'attende de faire un voyage rapide? Sûrement. Sûrement, il vaut mieux sûrement attendre de faire un voyage rapide pour aller au tombeau. Donc, c'est ce qu'on va faire. Sachant que, ouais, j'avais dit que je faisais des épisodes pas trop longs. Ouais. Ah bah Jonah, t'es revenu ici, t'as bien fait. T'as bien fait parce que... Alors déjà, compétences. Compétence, prendre ça. Voilà. Maintenez clic molette près d'un corps ennemi pour fabriquer et y déposer un piège. Si d'autres ennemis inspectent le cadavre, le piège explosera et libérera une bombe à fragmentation mortelle. Ça a l'air trop bien ça. Ah mais oui, mais alors attendez. Non, c'est pas des défis tombeaux. Moi ce que j'ai eu... Du coup voilà, c'est dans inventaire. Non oui, non mais c'est pas ça. C'est une tenue, moi, que j'ai eue, non? Oui. Mais elle est où, la tenue que j'ai eue? Croft Fit. Non, c'est pas ça. C'est un truc à plumes, là. Secours. Spectre, non. Ah bah tiens, tenue de renard exilé. On pourra avoir tout le set.
Elle est où là, la... Au secours. Aventurier, explorateur. Ouais. Hein? Au secours. Ah non, d'accord. Ça, c'est des trucs que je peux fabriquer. C'est ça? Parce que la cape d'événement. Ouais, c'est ça, c'était cape d'événement star. Qui augmente du coup la durée des effets de plantes de perception. Mais j'ai pas assez. Ok. Non, ça on avait dit non. Ça on avait dit, elle me perturbe. Tiens, on va mettre cette tenue là. Comme ça au moins elle sera la tenue qu'on aura pour le prochain épisode aussi. Allez, je peux. Hein? Ouais, voilà, je peux pas du coup. C'est bien ça. Hein. Voyager rapidement entre les feux. Ouais, ouais, bon, d'accord. Donc. Ouais, c'est pas pour tout de suite quoi. Le tombeau, on y retournera plus tard. C'était où? La cage de survie. Cage de survie, elle est là. Ouais. C'est bien ça. Là. Non. Là. Je la repère pas du tout visuellement par contre. Hein. Genre. J'imagine que si t'as pas la map, si t'as pas le truc. Le sac à dos d'explorateur, c'est un peu compliqué à trouver. Bon bah let's go Jonah. En vrai je vais arrêter mais... On va continuer encore un petit peu. On peut passer par ici. Tu m'aides? Non, pas QTE time. Mais du coup, en fait, à la limite, vu qu'on aura des tenues qui vont nous donner des avantages, essayons de descendre pour savoir ce qui se cache dans le temple. On pourra se permettre de prendre les tenues qui nous donnent des avantages une fois qu'on aura débloqué des tenues légalement qui nous donnent des avantages. Je pense que je m'y autoriserai un peu plus facilement, quoi. Ah, mais ouais, carrément tout un village, ouais, effectivement. T'es sûr que c'est le chemin? Allez, reste près de moi. C'est tout sauf un bon chemin. Ça dépend pour qui. Hein. Pour Lara, ça passe. Hein. Oh. Oh. Ouais. On y est presque. On y est presque. J'ai déjà entendu ça. Oh. Ouais. Non, je te tiens. Ça va aller? Ça va. Plus que quelques pas. Ok. Je suis pas ultra fan de la tenue qu'on a, ceci dit, en vrai. Tout va bien? Ça va. Peut-être changer au prochain feu de camp. Un peu trop armée, en fait. Après, elle fait un peu tenue... Bah, elle me fait penser à une tenue de Tomb Raider 6, en fait. Mais... Ouais. Je sais pas si c'est très adapté à l'environnement qu'on a là, actuellement. Qu'est-ce que c'est que ça? Une fontaine. On pourrait peut-être le remonter avec ses contrepoids. Peut-être. Alors attends, hein. Un bol de cinabre en poudre. Le cinabre était apprécié pour sa couleur orange, ouais, vif et utilisé comme pigment sur des céramiques, des fresques ou des tatouages, ainsi qu'à l'occasion de cérémonies religieuses. Ça a même la forme du crâne qu'on a vu. Ok. Attendez, il y avait un truc là, non? Pas du tout. Carte mise à jour, monolithe découvert. Secours. Au secours. Ah. Moi aussi. Mais on peut la déchiffrer. Quelque chose de proche. Deux serpents gardent la vie et la mort. Je suis pris au piège dans leur lutte éternelle. Ah bah oui, mais d'accord, oui. Bah du coup, c'est clair. C'est ça. Ça sera utile. Secret du monolithe trouvé. Explorer le monde pour trouver tous les monolithes et découvrir leurs secrets. On a eu du loot. Du coup. Sympa. C'est cool, ça fait des petites énigmes en plus. C'est pas mal. Tu veux essayer? Je crois que je vais plutôt me contenter des bouteilles d'eau qu'on a trouvées dans l'avion. Ouais, faut, par contre, quand il y a un dialogue, il faut vraiment que je me mette en face du personnage parce que sinon, ça devient vite très perturbant.
Heureusement qu'il y a les sous-titres, quoi. D'accord. Cela représente le dieu Inca Khon. Bien fait d'appuyer sur Tab. Hein. Le dieu soleil et de Pachamama, la déesse de la lune. Khon régnait sur les vents et la pluie, même si certaines légendes font de lui le dieu des phénomènes climatiques venus du sud, alors que son frère Pachacamac régnait sur le vent et la pluie venus du nord. D'accord. Tu vois, si j'avais su que je passerais autant de temps dans la jungle, j'aurais mieux écouté pendant l'année où j'étais chez les scouts. T'aimais pas ça? Eh ben, vu la situation de ma famille, on faisait pas beaucoup d'activités comme ça. Ok. Ah bah. Très bien. Petite cage de survie. Là, j'imagine que je saute dans l'eau, je meurs. T'as jamais été chez les scouts? Des camps de vacances? Être en pension, ça compte? Je sais pas. D'après toi? Sans doute que non. Mais Ross m'a appris les bases. J'ai toujours préféré la compagnie des adultes, de toute façon. Ouais. Il me manque. Moi aussi. Ouais, Ross, avec la voix de Gibbs. C'est un bon gars, Ross. Ça fait une nouvelle référence d'ailleurs à Tomb Raider, premier reboot de Tomb Raider. Statuette de Lama. Est un réceptacle à offrande, comme du cacao ou du suif. Le canopa rempli était jeté dans un champ au début de la saison des récoltes en honneur de Pachamama, la déesse mère. On pensait que si elle acceptait l'offrande, le paysan aurait de meilleures récoltes et une meilleure saison de reproduction. Heureusement que c'est écrit que c'est une statuette de lama parce que... Sans Ellie, ton bras devrait guérir rapidement. Ouais. Je me sens déjà beaucoup mieux. Alors, on a une énigme ici. Je pense qu'on va faire l'énigme mais on va s'arrêter. Hein. Alors ça fait quoi si je fais ça? Rien. Après, je peux monter là. Ouh là là. Hey, ça a fait quelque chose. L'eau a l'air de faire fonctionner le pont. Ouais. Mais pas trop. Non mais... Voilà, descends de là, là. C'est trop lourd. Donne-moi un coup de main. Ok. L'eau vient remplir le seau. Parfait. Voyons à quoi servent ces contrepoids. Mais... Oh, non. Le seau fuit. Reviens. On va réessayer. Bah... D'accord. Ouais, il faut que je sois plus réactif, j'imagine. Non. Non. Je dois lâcher, désolé. Dépêche-toi. Je vais pas tenir longtemps. Ouais, mais Bon, là, tout évident, c'est un truc que j'ai pas compris. Mais si je descends. Ah! C'est bon, Jonah, tu peux lâcher. Simplement, oui. Et voilà. Mais... On peut traverser. Ah oui. Je m'attendais pas à ce que ça remonte du coup, mais en fait, oui. Bah, nickel! Il a fait un sacré saut là, Jonah. J'aurais bien aimé voir ça. Je crois qu'on va devoir passer par là. Après toi. On
On dirait une sorte d'hôtel ou bien... Aide-moi, s'il te plaît. Ok. Qu'est-ce que c'est ? C'est une recette. Ça ressemble à un mélange d'herbes pour mieux se concentrer. Ça pourrait être utile si on croise d'autres jaguars. J'espère que non. La sortie est par ici. Alors, je comprenais jusqu'à ce qu'elle parle du fait de voir les jaguars. Appuyez sur F4. Non mais c'est quoi ces touches ? Pourquoi on me demande d'appuyer sur F4, F1 ? Au secours ? Quel jeu demande ça ? Les plantes de perception permettent à Lara de localiser les animaux et les ressources naturelles dans l'environnement. Ah, d'accord, je comprends mieux pourquoi elle me dit que ça pourrait être utile contre les jaguars. Parce que j'allais dire, je sais pas, ça ralentit le temps. Voilà quoi. Bah très bien, nickel. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode, je pense. Hein, parce qu'on est, mine de rien, à 50 minutes de l'épisode. On a pas trop mal avancé. On n'a rien laissé. C'est propre. Voilà, il y a des trucs là, ou... Hein ? Attendez, mais... Oui, non, mais oui, ça c'est le... Ah, mais attendez, on va revenir au tombeau du début, là. On va être à côté. Oh, bah c'est parfait. Très bien. Bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour la suite de notre LSP sur Shadow of the Tomb Raider. Portez-vous bien. Bye bye.